Et bonsoir les amis. Alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 14 septembre 2019. Donc je vais faire l'arrivée maintenant, vu qu'elle n'est pas géniale. Dépôt autocar à l'arrivée. Donc pour certaines personnes qui me disent pourquoi je mets des fois des chevaux improbables à rentrer, je veux dire, ils sont pas souvent, pas tout le temps improbables. Souvent, des fois, il y a des gros tocards qui rentrent, donc pourquoi ne pas les tenter, au moins à tenter un cheval gros tocard. Je vois pas où est le problème, surtout dans le jeu en 8 chevaux, donc voilà. Comme là, par exemple, des beaux tocards sont rentrés. Voilà, les gains étaient énormes, les rapports étaient énormes. On a seulement l'arrivée de ce quintet plus, c'est le 5, 8, 6, 10 et 1. Donc on a mon favori qui rentre quand même troisième et qui fait 2,40 placés. Donc ça fait un peu plus que le double de mise. Donc c'est pas trop mal, je trouve. Ça peut nous rattraper pas mal de choses. Voilà. Donc j'avais dit sur mes autres vidéos d'ailleurs, le pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 et pronostic pick 5 sont déjà mis en ligne. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais dit que ça allait être une journée noire. Je ne me suis pas trompé. Course difficile pour l'entame de ce week-end. Donc voilà, ça annonce bien le week-end. Donc voilà, donc de certains commentaires que j'ai, enfin j'ai eu un commentaire, pas certain, un seul, pour me dire pourquoi je mettais des fois le 15, par exemple pour aujourd'hui le 15, un cheval improbable. Voilà, il serait rentré, personne n'aurait rien dit. Je le tente, c'est comme ça. Il faut toujours mettre un gros tocard à l'arrivée, on ne sait jamais. Ça peut toujours le faire. Voilà. Donc on y va parce que par moment il y a de grosses surprises et surtout le week-end. Donc on y va pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 14 septembre 2019. Donc on commence avec cette course-là. Donc franchement je suis déçu de la course d'aujourd'hui, de ce soir. Excusez-moi. Donc ce sera la R1C3 à 15h15 à Vincennes. C'est le prix d'Avallon. C'est de l'attelée sur 2100 mètres et il y aura 16 partants. C'est une course européenne et c'est un départ à l'autostart. Donc mon niveau de confiance est de 2 sur 5 pour cette course-là. Mon favori sera le 2, Dynasty Gramont, drivé par Gerlormini. Ma base sera le 3, Visa As, drivé par Bazir. Mes outsiders seront le 7, Current Affair, drivé par Thomain. Le 13, Dolly Duquesne, drivé par Ouvry. Et le 6, Hugo Linast, drivé par Santo Molo. Mon jeu simple sera donc le 2. Mon second favori sera le 3. Mon tocard le 7. Et mon regret le 5. Eligras, drivé par Monklin. Pour ce qui est de mon conseil de jeu. Alors mon 2 sur 4 sera le 2 et le 3. Mon 2 sur 4 combiné sera le 2, 3, 9. Mon couplet combiné sera le 2, le 3, le 9 et le 7. Pour ce qui est de mon multi en 7 en champ total, ce sera le 2, le 3, le 9, le 7, le 10 et le 13. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 2, le 3, le 9, le 7 et le 10. Pour ce qui est de mon quintet plus en champ réduit, donc celui-ci, jouez le mollo, allez-y doucement dessus. Il est très élevé en mise, même en flexi, et très dur à faire entrer, donc allez-y tranquillou. Donc ce sera le 2, 3, 9 dans ma base. Et le 7, 10, 13, 1, 6 et 5 dans mon champ réduit. Pour ce qui est de mon jeu en 8 chevaux, donc pour le tiercé, quarté, quinté combiné en 8. Donc ce sera. Donc vous pouvez jouer en flexi bien entendu. Hein. Ce sera le 2, le 3, le 9, le 7, le 10, le 13, le 1. Et le 6. Voilà les amis pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 14 septembre 2019. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Utip et mon compte Facebook en description sous la vidéo. Mon pronostic cheval couplé 2 sur 4 et multi en 7 ainsi que mon pronostic pick 5. Je vous souhaite une bonne soirée. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao, bonne soirée tout le monde.